N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Thomas Markle, approchant de ses 80 ans, s'est récemment exprimé dans une interview au Daily Mail ce dimanche 23 juin, partageant son désir de rencontrer ses petits-enfants malgré les années de silence entre lui et sa fille, Meghan Markle. Leurs relations se sont détériorées peu avant le mariage de Meghan avec le prince Harry, principalement en raison d'un incident où Thomas a participé à une mise en scène photographique engendrant de vives tensions. Il s'est par la suite abstenu de se rendre au mariage, invoquant des raisons de santé, mais l'événement a été entouré de controverses. Les tensions ont escaladé après que Thomas ait divulgué une lettre privée de Meghan aux médias, où elle lui demandait de cesser ses interactions avec les tabloïds et de ne plus partager d'informations nuisant à leur relation. Cette révélation a profondément affecté Meghan, marquant un tournant irréversible dans leur rapport. Thomas Markle, qui célébrera son 80e anniversaire le 18 juillet, a récemment partagé ses sentiments lors d'une interview accordée au Daily Mail ce dimanche 23 juin. Il a exprimé sa tristesse concernant sa relation distante avec sa fille Meghan depuis 2018, anticipant qu'elle ne le contactera probablement pas pour son anniversaire. Il a également exprimé son regret de ne pas avoir rencontré ses petits-enfants, Archie et Lilibet, disant « J'adorerais les rencontrer, mais à ce stade, je serais heureux d'avoir juste une photo d'eux ». En outre, Thomas a évoqué sa relation avec son gendre, le prince Harry, questionnant pourquoi Harry n'a jamais pris l'initiative de le rencontrer, malgré ses capacités à voyager à travers le monde. « Quel homme se marie sans rencontrer le père de sa femme ?» a-t-il interrogé, suggérant que cela lui semblait incompréhensible. La question demeure si Meghan entendra et répondra à cet appel de son père.